Vidéo qu'on m'a demandé à plusieurs reprises, que à chaque fois j'oubliais tout ça, et on me l'a bien rappelé hier, du coup je vous la fais. Alors, petite info nécessaire sur Assetto Corsa Competition, que malheureusement trop de gens, trop de personnes qui débutent n'ont pas ces infos là. Et c'est bien dommage parce que ça aide quand même un minimum, et voilà. Et le problème, en fait, c'est le gros problème aussi, hormis le business de setup et quelques autres trucs sur ACC, c'est que il est vendu, il n'y a pas de notice, il n'y a rien. Donc j'avais déjà fait une vidéo il y a bien longtemps sur ACC pour connaître les bases dès que tu rentres sur le jeu, pour régler les graphismes, le volant, les trucs, etc. Mais là c'est plus dans le détail de ça sert à quoi, setup, tout ça, que ce soit un peu plus clair pour vous. Faut savoir que moi je me suis fait une fiche carrément qui est toujours pas loin de moi. Ça vous la trouverez jamais sur internet. Ça, c'est moi-même qui me la suis fait avec Word et le tableur et tout, tu vois. Et dedans, j'ai noté tout ce qu'il y avait à savoir sur ACC, au cas où je l'oublie, tu vois, c'était au début, pour me faire un rappel. Maintenant, je le connais par cœur, mais voilà. Voilà l'équipe. Quand vous êtes dans le jeu, on va récapituler un peu plusieurs petits points, l'équipe. Parce que j'avais déjà fait une vidéo sur ACC, mais pour connaître les bases, donc quand tu rentres, les graphismes, les bruits, le son, bref, voilà. Là, on m'a demandé de faire une vidéo un peu plus détaillée pour tout ce qui est setup, tout ça, comprendre, parce que malheureusement, ACC, pour les gars lambda, il est livré sans notice. Donc si t'es pas un peu autodidacte, que tu vas pas chercher sur internet, tu vas pas chercher à comprendre, tu sais même pas, c'est même pas bien dit dans le jeu comment faire et tout, tu vois, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans la désinformation, ils sont mal informés sur ce jeu là donc on m'a demandé de faire cette vidéo, et je vais vous transmettre le minimum de connaissances que je connais et que je peux vous dire. Donc premier point à aborder, faut savoir que, comme vous le voyez, il y a les butées de direction à régler, d'accord? Faut savoir que, alors, il y a deux possibilités. Soit vous calez sur un degré bien précis et vous ne touchez plus à rien, donc toutes les voitures ce sera pareil, d'accord? Vous trouvez un juste milieu, pas trop angulé, pas assez, quoi. Ou alors, si vous voulez la jouer RP, faut savoir que sur ACC, chaque voiture a son angle de braquage, l'équipe, d'accord? Donc je vais vous les réciter. Faut savoir que McLaren c'est 480 degrés, mais Porsche c'est 800 degrés, Ferrari c'est 480 degrés, Mercedes c'est 600 degrés, Lamborghini c'est 620 degrés, Audi 720 degrés, Honda 620 degrés, Aston Martin 640 degrés, Lexus 640 degrés et Nissan 640 degrés. Donc sachez une chose, c'est que soit vous restez sur une butée fixe, donc que ce soit dans votre fan lab, votre sim pro manager, votre Mozza lab, ce que vous voulez, et dans le jeu vous avez admettons 900 degrés et 900 degrés dans votre contrôle panel, ou alors dans ces cas-là, vous faites un pré-réglage. Moi, là, c'est marqué Sim Magique, mais vous mettez, admettons, pré-réglage Ferrari,
vous mettez à 800 degrés, vous mettez pré-réglage, Porsche, vous mettez pré-réglage ensuite Ferrari, vous mettez à 480 degrés, et ainsi de suite pour toutes les voitures. Et par contre, à chaque fois, il faudra rechanger, donc aller charger le programme-là pour cette voiture-là, et le charger aussi dans votre contrôle FanLab, pour que tout concorde. Donc c'est un peu plus chiant, il y en a, ils préfèrent la jouer comme ça, il y en a pas. Après, je pense pas qu'il y ait besoin de charger 50 trucs, parce qu'en général, quand vous avez choisi une voiture, que ce soit en GT3, Porsche Cup, ou M2 compétition, ou ce que vous voulez, vous allez pas changer de voiture tous les 5 minutes. Normalement, quand vous choisissez une voiture, vous la gardez. Donc au pire, vous avez que un pré-réglage à faire, ou au pire, 2-3 max. Mais en tout cas, ça se fait comme ça. Maintenant, on va aller, admettons, là-dedans, commencer la session. Je vais vous monter le deuxième point qu'il faut savoir. Configuration, hop, voilà. Là, on est dans le contrôle configuration setup de la voiture. Il faut savoir, l'équipe, que chaque voiture a plusieurs maps. Donc, map électronique sur le calculateur. Donc, de map 1 à map 10, ça peut aller sur certaines voitures. Donc, toutes les maps, en fait, elles servent à plus ou moins réguler la gestion électronique. Donc, à envoyer plus d'essence, réglage économique, plus nerveux, plus agressif, etc. Je vais pas vous les citer toutes parce que ça servira à rien. Vous pouvez les trouver sur internet, il y a juste à taper. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que là, les maps sont là. Vous voyez, là, il y a marqué EQMAP. Ça peut aller de 1 jusqu'à 13, admettons, là, sur la McLaren. Il faut savoir que chaque map a son truc. Je vais pas vous citer toutes les maps, elles servent à quoi. Je vais juste vous citer, parce que c'est le principal à savoir, quelle map fonctionne le mieux avec telle et telle voiture. Donc, la meilleure map pour taper du chrono full-time attack. Pour la McLaren, ce sera map 1. Pour la Porsche, ce sera map 8 ou alors 7. 7 ou 8. La seule différence qu'il y a entre la 7 et la 8, c'est même gestion électronique, même débit d'essence, même puissance à la fin, au roux. La seule différence qu'il y a, c'est que sur la map 7, il y a l'accélérateur, en fait, la linéarité de l'accélérateur, en fait, elle est agressive. C'est-à-dire que ça va monter direct en butée. Donc des fois, ça peut être bien, mais des fois, ceux qui ne sont pas habitués à la réaccélération, ils peuvent se faire avoir ou quoi. Alors que la map 8, elle est progressive linéaire. C'est la seule différence qu'il y a à savoir. Donc Porsche, sachez, c'est 7, map 7 ou 8. Voilà. Ensuite, Mercedes, c'est map 1. Ferrari, c'est map 1. Lamborghini, c'est map 1. Audi, c'est map 1. Honda, c'est map 4. Aston Martin, map 1. Lexus, map 2. Et Nissan, map 1. Voilà l'équipe. Ça, c'était pour les maps. Donc, si vous ne le savez pas, maintenant vous le savez. Ok ? Ensuite, autre chose à savoir. Donc, troisième point, et c'est notamment un des plus importants, si je peux dire. On est dans le carburant et stratégie dans les configurations setup. Il faut savoir que, vous voyez, il y a les freins 1. Donc, les freins, ils peuvent aller de 1 à 4. Hop, hop. Avant, arrière. D'accord ? Alors, pourquoi il y a 1 jusqu'à 4 ? Il faut savoir, l'équipe, que frein numéro 1, c'est les freins à avoir quasiment tout le temps. Pourquoi ? Parce que frein 1, ce sont des freins course sprint. Ça veut dire qu'ils peuvent tenir entre une course de 20 minutes jusqu'à à peu près 1h30, 2h. Tout juste avant l'endurance, en fait. Ils tiennent, ce sont pour des courses sprint. Donc si vous faites des courses de 17 minutes, 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, vous mettez les freins 1. C'est à ça qui servent les freins 1. D'accord ? Au-delà de ce délai-là, d'accord ? Au-delà des 2 heures, des 1 heure et demie, 2 heures, les freins, ils tiennent plus, c'est poubelle. Donc si vous avez un arrêt au stand, bon, ok, ça dépend de la course, quoi. Mais au-delà de ça, les freins, de toute façon, vous allez le sentir, ils tiendront plus. Donc course sprint, c'est frein numéro 1. Les freins 2,
Donc hop, avant, arrière. Frein numéro 2, c'est pour les courses endurance. Donc courses qui sont de plus de 2 heures. D'accord ? Freins qui sont de... courses qui sont de plus de 2 heures, vous mettez les freins 2. D'accord ? Parce que les freins tiennent beaucoup plus longtemps. D'accord ? Ils sont faits pour durer dans la longévité, comparé au frein 1. Donc course endurance, frein numéro 2. Ensuite, frein numéro 3 avant, frein numéro 3 arrière. À quoi servent les freins numéro 3? Enfin, je dis frein. On va dire c'est les plaquettes plutôt. Je préfère récapituler, mais c'est nommé frein sur le setup. Frein numéro 3, ce sont pour les courses à forte pluie. C'est-à-dire que quand il y a beaucoup de pluie, que vous avez, voilà, vous devez vous rentrer au stand parce qu'il y a une averse de fou d'un coup, vous changez les pneus, vous mettez en pneu pluie. Vous mettez les plaquettes numéro 3. Ils permettent de garder une certaine température au niveau des pneus, enfin des freins, parce qu'ils gardent un, ils chauffent plus en fait, pour compenser bah, la fraîcheur de pluie, tout ça. Donc, si en cas de forte pluie, qui a vraiment pas une petite pluie, une petite brume, hein, je parle vraiment en cas de forte pluie, vous mettez les freins numéro 3. Les plaquettes, ils servent un peu à réchauffer les pneus pour garder un peu en température au cas de forte pluie. Voilà. Et ensuite, on passe au frein numéro 4, avant et frein numéro 4 arrière. À quoi servent les plaquettes numéro 4? Enfin, frein numéro 4. Les plaquettes 4 servent aux qualifications. C'est-à-dire que ils tiennent uniquement pour les qualifications. Donc, vous faites les 10-15 minutes d'essai, enfin de qualif, et encore, même pas 15 minutes, ça me paraît peut-être même juste, tu vois, en fonction de comment vous freinez. Mais en gros, les 10, ouais, les 10-15, on va prendre large, 10-15 minutes de qualification, ou les one-shot de qualification, ce sont pour les freins 4. Mais attention, je dis bien attention l'équipe, aux non-aguerris, je conseille quand même de garder les freins 1. Pourquoi ? Parce que les freins 4 vont avoir plus de mordant, vont freiner mieux. Ça, c'est infime, mais tu le ressens, mais ils vont freiner mieux. Sauf qu'ils vont tendance à chauffer plus que les freins 1 sur des longs freinages. Et ça, tu le vois. Donc, ceux qui connaissent un peu, on va y revenir après, on va pouvoir ouvrir les écopes de conduite de frein pour que ça... aère un peu plus, mais ceux qui ne savent pas et qui mettent juste les plaquettes 4 pensant que ça va freiner mieux, attention à pas vous faire avoir. Donc c'est pour ça que je préconise de garder les plaquettes 4 pour vraiment les pilotes aguerris ou qui touchent un minimum au setup et qui comprennent un peu le fonctionnement. Mais en tout cas, voilà, sachez que, bref récapitulation, plaquette numéro 1, course sprint, plaquette numéro 2, course endurance, plaquette numéro 3, en cas de forte pluie, plaquette numéro 4 pour qualification. D'accord ? C'était le troisième point à comprendre. J'espère que je suis assez clair dans mes propos et ce que je dis. Les pneus, c'est simple. Il y a sec ou humide. Donc, pneus pluie, pneus sec, tout simplement. Les trains de pneus, pour ceux qui ne savent pas. Alors, vous voyez que vous avez une usure sur les côtés. Il y a marqué là où il y a la flèche, là, je ne sais pas si vous le verrez. Il y a marqué usure, d'accord ? Normalement, pour que les pneus soient neufs, il faut que l'usure soit à 3. D'accord ? Il faut qu'ils soient à 3. S'ils sont à 2,97, 2,80 ou quoi, les pneus sont usés. Donc, passer un stade, même s'ils sont à 2,97, ils vont tenir, tu vois, je dis pas. Mais, il faut toujours que si vous repartez à zéro, vous revenez au stand, vous repartez des qualifs, vous rechargez votre setup, vous allez dans le garage donc et vous revenez, ça va recharger la voiture et ça va vous remettre en fait tous les usures à zéro, enfin sans usure pour que vous repartez serein, bien propre. Maintenant, si jamais vous vous enfilez des tours, que vous faites un championnat, un truc ou quoi, il y a les trains de pneus, voilà. Il y a 1, 2, 3, 4, jusqu'à 50 trains de pneus. Ces trains de pneus, ça sert à changer en fait de train. Et normalement, ça dépend des championnats, vous avez des trains limités. Donc vous pouvez pas mettre 50 trains de pneus. Vous avez, admettons, 4 ou 3 trains de pneus que vous pouvez utiliser. Si vous avez froissé les 3 trains, c'est mort, quoi. Voilà. Mais en tout cas, vous pouvez changer. Attention, je dis bien attention. Quand vous changez quelque chose sur le setup,
d'accord? Que vous allez vous rouler, tout ça, vous allez tester, vous allez avoir de l'usure, que ce soit sur les disques, sur les pneus. Si vous revenez dans le setup, d'accord? Que vous chargez, vous sauvegardez parce que vous trouvez que c'est bien, vous allez directement dans charger, sauvegarder, vous le sauvegardez, vous allez sauvegarder l'usure à laquelle le train de pneus, il a été usé avec les plaquettes. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours revenir d'abord dans le setup, le charger ou changer de train de pneus, sortir et ensuite aller le sauvegarder pour qu'il se reset. J'espère que c'est clair ce que je dis, d'accord? Parce que si vous allez, vous allez voir que quand vous allez recharger votre setup, et ben vous allez dans l'usure, vous allez voir que vous avez l'usure de ce que vous avez été essayé. Donc faites attention, bon, au pire, vous changez le train de pneus et les disques, ça va se reboot, voilà, quand vous ressortez. Mais je préfère le préciser quand même. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon, ben, tout ça, je vous fais pas un dessin, l'antipatinage, l'ABS, le TC2, voilà, ça c'est les aides de base traditionnelles que je pense que vous connaissez un minimum. La chose à savoir sur les pneus, ça peut être aussi important pour vous, vous avez OMI, d'accord? OMI, usure, PSI hot, usure plaquette, usure disque, voilà. Donc là vous avez vos usures des plaquettes et usure disque aussi, que vous pouvez constater quand vous allez rouler. Et vous avez les PSI hot. Donc, il faut savoir que chaque mise à jour en général, il y a les pneus, ils changent en PSI, soi-disant c'est préconisé. Tu vois, à une époque c'était préconisé 27.5, 27.2 en PSI. De nos jours, apparemment, c'est entre 26.2 et 27.2, pas plus. Ce qui est en PSI, ce qui est préconisé. Maintenant, il ne faut pas regarder que ça. Il faut savoir que en PSI hot, donc en température de pneus, de gomme en fait maximale, il faut minimum jamais être en dessous de 70 degrés en pneu et jamais être au-dessus de 90. C'est les préconisations, je dis bien, optimales, voilà. Si vous êtes à plus de 90 en température haute et à moins de 70 en température basse, c'est que il y a un sous, enfin, c'est pas optimal, on va dire. Donc je préfère le préciser. Et ça, vous le voyez là, tu vois. Après, vous avez l'usure, donc intérieur, milieu, extérieur. Vous avez vos usures. Voilà. L'usure plaquette, voilà. Après, bon, là, vous réglez votre chasse, votre pincement. Ça, c'est les setups de base. Hein. Je peux pas... On va pas déblatérer là-dessus 50 ans. Ensuite, là, vous voyez que vous avez une espèce de télémétrie sur tout ce qui est système de suspension, etc. Les butées et tout ça. Là-dessus, tout est détaillé. Après, ça ne dit pas à quoi ça sert. Mais bon, regardez sur Internet. Je vais pas vous faire non plus un cours de réglage voiture. Je l'ai déjà fait sur Gran Turismo, que ça a aidé beaucoup de monde. Après, c'est assez spécial sur ACC. C'est pour ça que notamment, il y a un business de setup. Mais on va prendre les trucs de base. Donc, à l'avant, en haut, à l'arrière, en bas. D'accord? Barre anti-roulis. Barre anti-roulis, je vais pas... C'est simple. Plus elle est rigide, d'accord, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, plus le train va être rigide, plus elle va être incisive, la direction va être directe. Mais par contre, vu que le train va être rigide, elle aura tendance à sous-virer. Donc, si vous sous-virez de l'avant, d'accord, que la voiture, vous prenez le virage et elle a tendance à tirer un peu droit comme ça, enfin vers l'extérieur, réduisez la barre anti-roulis avant, ça peut aider. Et inversement, à l'arrière, si vous voyez que elle part du cul, genre, enfin, tu sais qu'à la réaccélération où tu es dans le virage, le cul est rigide, elle glisse, vous pouvez aussi la baisser, la barre anti-roulis, donc dérigidifier la barre anti-roulis. Ça permet d'assouplir le train et du coup qui se tasse en plus, et au lieu que ce soit rigide, que tout est rigide et que du coup ça burn, ben ça va absorber en fait cet état de rigidité qui permet à la voiture de mieux encaisser en fait le virage, et ce qui normalement va permettre qui va ne la faire pas sous-virer en fait. Donc voilà. Ensuite, puissance de freinage. Bon, ben ça c'est la puissance, à pas confondre avec la répartition qui est juste en dessous. La puissance de freinage, c'est à combien vous, admettons, si tu appuies à fond, eh ben, au lieu d'avoir 100% des freins de mordant, eh ben, bon, là, il est à 100%, donc vous aurez 100%, mais si vous le mettez à 90, vous aurez 90. Donc, des fois, ça peut aider notamment sur
les Porsche Cup, en fait, tout ce qui est voiture, pas d'ABS, ça peut aider. Et après, ça dépend aussi de votre pédalier. Des fois, des pédaliers sont pas adéquats, vous n'avez pas trop la sensation. Vous pouvez réduire ce paramètre-là pour compenser ça. Ensuite, répartition du freinage. Donc là, c'est la répartition entre l'avant et l'arrière. Donc, plus la puissance, donc le pourcentage, va dépasser les 50%, donc plus va se rapprocher des 100%, plus vous allez être sur l'avant. Donc, en fait, ça, c'est mal foutu parce que, en fait, il aurait dû, pour que les gens comprennent mieux, je pense, faire un pourcentage comme les transmissions intégrales, tout ça, c'est-à-dire les 4x4 et pas les vrais 4x4, en mode mettre des 60, 40, 50, 50. Tu vois ce que je veux dire ? 55, 45. Vous voyez, des trucs pour qu'ils comprennent mieux, pour que, si, admettons, là, t'as 60, t'as 60% de freinage à l'avant qui va se transmettre aux roues avant et 40% aux roues arrière. Vous voyez plus dans le sens là, sauf que là c'est notifié en pourcentage, mais il faut que vous le voyez comme ça. En fait, si tu vois que moi personnellement ce que je fais et que ça marche en général, quand tu arrives sur les freins, mettons là on a 60% de 58, on va dire, allez, on va mettre 60, voilà, 60%. Si quand tu arrives sur les freins, que tu vois que les roues avant, elles bloquent, enfin, que, on va dire que tu t'oublies l'ABS, il n'y a pas d'ABS, c'est plus visuel sans ABS. Si tu arrives sur les freins sans ABS, d'accord, et que tu arrives, tu bloques, tu vois qu'à 60%, les freins, les roues avant, elles vont vraiment bloquer, mais grave. Pour compenser ce phénomène-là, il faut trouver le juste milieu, parce que pas trop, après, ça va partir du cul. Mais moi, je réduis, ça veut dire que je vais repasser, admettons, à 55, 54, pour que justement il y ait plus de répartition vers l'arrière. Donc en fait, que tout le freinage, avec la force de répartition, en fait, de transmission, qui va, quand tu freines, admettons, tu arrives à 200, tu freines, tout le poids, il va se transmettre à l'avant. Donc si en plus de ça, ton freinage, il est à l'avant, les roues avant, avec la vitesse, vont plus tendance à se bloquer. Donc moi, pour pallier ce phénomène-là, je vais mettre la répartition un peu plus vers l'arrière. C'est-à-dire que les roues arrière vont aider à freiner plus la voiture pour qu'il n'y ait pas tout sur l'avant et du coup, ça compense. Donc normalement, elle est censée moins bloquer les roues à l'avant et que l'arrière aide. Donc en fait, ça va pallier. Mais ça, on le ressent vraiment plus quand t'as pas d'ABS, tu vois. Après, attention à faire ce phénomène là pas trop non plus, parce que des fois, du coup, tu vas avoir tendance à arriver au freinage, surtout si ça tourne et que le cul il part en fait tout seul. Donc il faut trouver le juste milieu, mais en gros ça sert à ça, tu vois, la répartition du freinage, plus sur l'avant, plus sur l'arrière. Attention aussi quand c'est trop sur un avant ou arrière, vous allez voir les disques qui vont plus chauffer à l'avant ou à l'arrière. Donc il faut que ce soit homogène, c'est le mieux. Le mot clé de ça, c'est homogène, voilà. Ensuite, vous avez le rapport de direction. Alors le rapport de direction, il est intéressant. Pourquoi ? Parce que le rapport de direction, il va jouer aussi sur l'angle de braquage. Donc, il ne va pas vous dire les degrés que ça modifie, mais si, admettons, vous allez, je dis une bêtise, vous êtes à, comme moi, admettons, 540 degrés, d'accord, dans le jeu, dans le FanLab ou le SimPro Manager ou quoi, et que vous avez un rapport de direction d'origine à 13, si vous le mettez à 11, d'accord, la direction va être plus incisive. Donc, la voiture va plus tourner directement, en gardant le même angle de braquage, en fait. Et eh ben la voiture va plus tourner, d'accord. Si vous le rallongez, admettons on passe à 17, la voiture va moins tourner, d'accord. C'est dans le sens là qu'il faut le regarder. Je dis avec des mots simples pour que vous compreniez, en fait. C'est le rapport de direction, en fait. Plus vous le réduisez, plus la voiture va avoir un rapport, du coup, logique, qui est plus faible. Donc pour tourner comme ça, bah vous allez mettre moins de temps, d'accord. Ça influe en fait aussi sur la direction, enfin le rapport d'angle de direction. Mais ça ne vous touche pas à l'angle, enfin si vous avez calé 540 degrés, bah vous resterez à 540 degrés. Mais vous allez le sentir en roulant qu'il y a une différence, voilà. Ensuite, bon bah tout ce qui est amortisseur, voilà, hein, vous réglez comme vous le sentez, voilà, les bosses, les butées. Sachez que quand vous réglez des amortisseurs, la hauteur, les suspensions, tout ça, faut regarder, régler bien vos butées, etc. Parce que des fois, ça vous permet en fait de garder la même rigidité
En ligne droite, dans les virages, sur toute la piste du circuit, mais avec des butées qui permettent plus, enfin d'aller plus loin, plus haute. Elles vont permettre à certains passages, si vous devez manger le track limite, donc bouffer un peu le vibreur, tu vois, que la butée, vu qu'elle a un degré, elle a un degré de plus haut, on va dire, plus permissible, que quand tu manges le vibreur, paf, elle va sauter, mais elle va pas te faire sauter la voiture, ça va pas être un bout de bois ou quoi, et du coup, ça va permettre de manger en fait le vibreur sans pour autant atténuer tout le reste du comportement de la voiture sur le reste de la piste et du circuit. Donc voilà, je pense que ça peut aussi aider. Ensuite, on entre dans l'aéro. Donc là, c'est aussi d'autant plus important. Alors, on entre dans l'aile arrière, la variation aérofrontale. L'équipe, il faut que vous sachiez une chose, c'est que ça, c'est d'autant plus important. Alors, qu'est-ce que c'est? L'aile arrière, en fait, ça va influer sur l'aileron. Donc en fait, tout simplement, l'aileron, il est comme ça, d'accord? Admettons, plat, voilà. Et plus vous allez augmenter ce paramètre-là, plus l'aileron va être comme ça. Donc logique que si l'aileron, il est comme ça, plat, le vent, il passe, bon, voilà, sans plus. Si vous le mettez comme ça, là, il va y avoir une contrainte et donc un appui sur le train arrière, ce qui fait que la voiture va avoir un plus fort appui à l'arrière en fonction de la vitesse que vous prenez et du coup va mieux tenir à l'arrière, d'accord? Donc maintenant, vous voyez que là, vous avez un paramètre en bas en pourcentage, variation aérofrontale. Donc on a la hauteur de caisse à l'avant, la hauteur de caisse à l'arrière. Donc si vous voyez que la voiture, d'accord, elle est là, elle n'arrête pas de survirer, etc., qu'elle bouge du cul et tout, vous allez augmenter l'aile arrière, d'accord? Donc là, on passe, admettons, de 3 à 12. Vous voyez que à 3, en variation frontale, on était à 8,6%, et à 12, on est à tomber à 4,6. En fait, il faut que vous compreniez que le pourcentage là, c'est net parce que plus vous allez avoir une variation aérofrontale là, donc vers le zéro ou dans le négatif, plus il va y avoir de l'appui à l'arrière. Donc, ce qui nous permet en fait d'avoir moins de survirage, mais qui va plus tendance à avoir du sous-virage, d'accord? Donc, meilleure tenue à l'arrière, mais moins bonne tenue à l'avant. D'accord? Maintenant, si vous voyez que, admettons, vous avez l'aile arrière à fond, d'accord? Et que vous êtes à fond 4,6, mais que ça ne vous satisfait pas, vous voulez encore plus jouer sur le paramètre là, alors que vous avez l'aile arrière à fond. Vous pouvez. Donc, ce que vous faites, tout simplement, vous voyez que si on monte la hauteur de caisse à l'avant, le paramètre y baisse. Vous voyez, 4,6, 4,1. Là, on monte, on monte, on monte, 64, 1, 1, hop, voilà. Là, on est passé à moins à 71 mm à l'avant, donc on a rehaussé un peu l'avant. On est passé à moins 0,1% en variation aérofrontale. Donc là, tout l'appui, il est sur l'arrière. D'accord? Si maintenant, effet inverse, vous voyez que la voiture, plutôt qu'elle sous-vire trop, qu'est-ce que je dis, pardon, vous allez vouloir mettre une variation frontale positive, c'est-à-dire que plus d'appui à l'avant égale survirage. Donc là, on fait un effet inverse, on repasse dans le positif, d'accord? Donc on va baisser l'avant. Donc là, on est revenu à 7,7%. Et à la limite, on peut même augmenter l'arrière. Vous voyez? Mais tout en gardant l'aile arrière à fond. Donc vous gardez quand même ce minimum d'appui. Vous voyez? Vous pouvez jongler. Donc en fait, cette variation aérofrontale, elle n'est pas du tout à prendre à la légère. Et quand vous réglez votre voiture, d'accord, c'est un gros paramètre à prendre en compte. Avant même les amortisseurs, les trucs et tout. Comme ça, déjà, juste en jouant là-dessus, vous pouvez avoir quelque chose de très satisfaisant qui va peut-être mieux vous convenir. Donc, à méditer, regarder, tester, etc. Mais en tout cas, voilà. Sachez que l'aile arrière, ça joue sur la variation aérofrontale. Une variation aérofrontale négative, donc en moins 0,% etc., est égale à plus d'appui sur l'arrière, du coup est égale à du sous-virage, mais
un meilleur, enfin qu'il n'y ait pas de survirage. Donc ça va plus tendance à avoir du sous-virage quand tu mets plus d'appui sur l'arrêt, normal, parce que l'avant il est moins, il est plus délesté. Alors, variation aérofrontale positive, d'accord les gars, est égale à plus d'appui sur l'avant, du coup bah, plus d'appui sur l'avant, donc moins de sous-virage, parce que l'avant il est plus stable et tout, mais par contre atténue le survirage, enfin pas atténue du coup, mais ça fait du survirage du coup, parce que t'as plus d'appui sur l'avant et moins d'appui sur l'arrière, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est pour ça que je vous dis de bien jouer sur les hauteurs de caisse et que ça peut jouer là-dessus, parce que tu peux garder un appui avec l'aileron à fond, en 12, mais tout en ayant une variation frontale négative ou positive. Donc tu peux quand même garder ton appui de fou, mais en atténuant, sans pour autant, même si tu as un appui de malade avec l'aileron arrière, avoir du sous-virage et que l'avant soit délesté. Tu vois, tu peux atténuer la voiture, d'accord? Donc regardez bien là-dessus et c'est à prendre en compte. Maintenant, on passe aux conduites de frein. Alors, qu'est-ce que c'est les conduites de frein? Ils ont appelé ça conduite de frein. Moi, j'appelle pas trop ça comme ça. On va plus appeler ça les écopes d'aération. Ce sont souvent, vous savez c'est quoi, les écopes à l'avant au niveau du pare-choc, ou à l'arrière au niveau des entrées d'air arrière aussi, mais au niveau du pare-choc avant, pour que vous visualisez, c'est là normalement où il y a les anti-brouillards, et là soit vous avez des ronds sur les voitures de rallye ou quoi, soit sur les voitures de course ou quoi, ou bref, vous avez des aérations qui en fait sont redirigées directement au niveau des disques et plaquettes si c'est bien foutu, d'accord? Et en fait, ça sert à l'ouverture, en fait. Donc, plus les conduites sont vers zéro, enfin, les écopes, on va pas appeler ça les conduites, on va appeler ça écopes, sont vers zéro, plus, en fait, l'admission d'air sera moins prononcée. Donc, c'est comme si vous mettez une grille de ventilation, en fait, même habitacle intérieur. Donc, plus c'est à zéro, plus la grille, elle est fermée. Plus tu augmentes, donc de 0 à 6, plus tu ouvres la grille. Et ça permet quoi? Ça permet en fait tout simplement de réchauffer ou refroidir les plaquettes qui, eux, vont aussi garder une certaine température sur le pneu, la gomme du pneu. Donc, plus vous allez être à zéro, plus les écopes vont être fermées, plus les disques vont se mettre à chauffer rapidement. Surtout sur des longs freinages, vous allez le voir. Quand vous allez freiner, si vous les mettez à zéro, il n'y a pas d'air qui vient refroidir les disques. Ils vont se mettre à devenir bleu, vert, marron, rouge direct, tu vois. Plus vous allez les ouvrir, d'accord, admettons 4, 5, 6, plus les plaquettes vont refroidir les disques. Vous allez voir qu'ils vont refroidir direct et vont tendance à avoir plus de bleu, vert, bleu. Et à chaque fois un peu de ligne droite, ils vont redevenir bleu direct parce qu'ils vont refroidir. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Parce que encore une fois, c'est comme les pneus. Si c'est pas homogène, c'est-à-dire que si sur toute la lignée du circuit, vous n'arrivez pas à stabiliser vos freinages, enfin vos disques, qui soient toujours dans le vert, et même dans les lignes droites qui refroidissent, ils restent un peu dans le vert, et que ça refroidisse tout juste, et le temps d'arriver à l'autre freinage, ils redeviennent toujours un peu tout juste vert, bah c'est mauvais. Tu vois, si admettons, ils sont verts que au freinage à fond, après ils redeviennent super froid bleu, et après au freinage, ils remettent du temps et ils redeviennent verts, tu vois, c'est pas bon. Et inversement, si au freinage, ils deviennent marronasse rouge et que tout le long du circuit, ils sont verts, c'est pas bon non plus, tu vois. Il faut trouver le juste milieu, mais en tout cas, ça sert à ça. C'est les écoles. Et ça aussi, bien entendu, la chauffe des disques va influer aussi sur la température des pneus. Donc il y en a aussi, je joue sur ça. Donc c'est bien à prendre en compte, d'accord? Conduite de frein égale écope de refroidissement de disques et plaquettes, d'accord? Et qui influe aussi sur les pneus et les gommes. Donc plus vous allez ouvrir, donc vous allez mettre une valeur qui est sur 5-6, plus ça va englober l'air et refroidir plaquettes disques. Plus vous allez mettre cette valeur proche de 0, comme ça, plus ça va fermer les grilles d'aération, plus les disques vont se mettre à chauffer, et ainsi de suite. Vous comprenez un peu le micmac. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, dernier point à comprendre et à savoir aussi, je pense, c'est ça, regardez. Vous voyez en haut, il y a marqué circuit optimal, température 25, piste 25, d'accord? Alors, il faut savoir que le circuit, en fonction des essais, des qualifs,
de la programmation du serveur et des courses que vous allez faire, ça peut changer. Là, il est en optimal, parce qu'il est réglé en optimal. C'est le top pour faire les courses, faire du time attack, faire du chrono. Maintenant, il faut qu'à chaque fois que vous rentrez sur le serveur, vous regardez ce paramètre-là. Il peut être en green, enfin vert, ça sera marqué au lieu d'optimal vert, ou rapide ou optimal. Il y a trois paramètres. Vert, rapide, optimal. Vert, c'est le grip, en fait, le circuit, ça c'est le grip du circuit, d'accord. Vert, ça va être le pire grip qu'il y a, c'est le moins bon qu'il puisse y avoir. Rapide, ça va être moyen, pas trop mal, et optimal, c'est le meilleur grip qu'il peut y avoir. Il n'y a que ces trois paramètres-là, donc c'est sûr que si vous rentrez sur un serveur, que vous voulez taper du chrono, et que le circuit déjà il est en vert, au lieu d'être en optimal, vous pouvez, mais c'est pas le top du top, donc... Regardez bien, des fois, si vous avez des différences de chrono d'un serveur en solo à un autre, ça peut être ce paramètre-là qui joue. Deuxième paramètre à prendre en compte, et c'est aussi de loin le plus important, la température de piste et ambiante. Alors, là, vous voyez, il y a marqué 25 degrés. Les premiers degrés servent à indiquer la température ambiante. Donc là, c'est 25 degrés. La deuxième indication, c'est la température au bitume de la piste, 25 degrés. Il faut savoir que les températures optimales, c'est 23 degrés en ambiant, donc dans l'air, et 27 degrés en piste, sur le sol, d'accord ? Donc, c'est les températures optimales pour faire des chronos, du time attack, quand vous allez prendre les go setups, ce que vous voulez, les chronos ont été effectués à ces températures-là. C'est les températures optimales. Donc, bien entendu, quand vous allez changer ces paramètres-là, ça va aussi influer sur votre conduite, sur les pneus, la chauffe des pneus, le grip, tout. Même la température ambiante, ça c'est préférable qu'elle est plus elle est faible, mieux c'est. Vaut mieux qu'elle soit plus haute parce que plus il y a de l'air frais, plus la voiture va mieux marcher. Bon, c'est infime, mais ça peut un peu y jouer. Mais en tout cas, voilà, sachez que les températures optimales, d'accord, pour que vous fassiez du time attack, vous réalisez des chronos, vous fassiez votre meilleure course, il faut que le grip du circuit soit en optimal, que les températures de piste soient 27 degrés et la température ambiante 23 degrés. Voilà, bon, si la température ambiante elle est un peu plus faible, c'est-à-dire dans les 20 degrés, 18 degrés, au pire ça peut être mieux, voilà. Mais c'est les températures à avoir, et ça, beaucoup de gens ne le savent pas non plus. Donc, voilà l'équipe. Je pense que j'ose espérer qu'on n'a rien oublié. Je pense avoir fait le tour. Donc, j'espère que ça a pu vous aider. Et voilà l'équipe. Hein. Si vous avez des questions, que j'ai oublié des choses, je sais pas, je pense avoir tout récité. Donc, si vous avez des questions, que j'ai oublié des choses ou quoi, n'hésitez pas à me les demander en commentaire. Mais je pense avoir globalement tout dit. Pour que vous ayez au moins une bonne base et dans quelle direction aller. Voilà l'équipe, j'espère que cette petite vidéo, enfin petite si on peut dire, vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager au max et à plus tard.